c'est bon, je descends. Vous êtes Patrice Thibault. Ah non, pardon, Gilles Inray. Je vous ai convoqué pour faire le point avec vous. Même si les choses n'ont pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Votre dernier contrat date de plus d'un an. Vous avez travaillé 3 mois à Paris. Vous faisiez les allers-retours tous les jours ? Ah, le contrat n'a pas été renouvelé. Depuis, plus rien. Vous avez répondu à des annonces? Vous avez envoyé des candidatures spontanées? Monsieur Inray! Vous vivez ici depuis 15 ans sans papier. Vous n'avez jamais été arrêté. Ça fait aussi 15 ans que vous travaillez sans papier. Vous payez vos impôts. J'y vais, commissaire. Merci. Eh ben, c'est tout vu. Vous allez tout de suite en rétention. Sans papier. C'est moi. On part dans une... Tu seras à l'heure? T'as trouvé quelqu'un pour garder Cathy? T'avais promis de t'en occuper, tu l'as fait? Tu t'as pas oublié quand même? Oui, c'est réglé. Oui, c'est réglé. Alors, Gilou, toujours rien? Je sais pas ce qu'elle m'a dit, la conseillère. Rien. Vous êtes surdiplômé. Je me souviens très bien de vous, monsieur Gilles. Votre cas est simple. Vous êtes surdiplômé. C'est pour ça que je trouve pas de boulot. Trop bon dossier. Profite. Ça vaut rien, le travail. Hey, t'as vu, Roger, dans quel état il est? Ah, heureusement qu'il y a les copains du bistrot et Vera pour me remonter le moral. On n'est pas bien entre potes, là? Tiens, Vera, resserre-moi une demi, s'il te plaît. Vera, je te regarde. Le gars, là! Qui ça? Je vois rien, moi. On dirait qu'il a un problème, il tourne dans tous les sens. Où ça? Moi non plus, je vois rien. De quoi tu parles? Hé, monsieur! Qu'est-ce qui vous arrive? C'est lui. Connais pas. Jamais vu. Bonjour. Comment c'est votre nom? Commis. T'as un souci, Commis? C'est Cassis qui s'est cassé sur la télé et qui s'est cassé. Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? Le chien. La télé. Alors. Une télé cassée, c'est pas de bol, ça. En plein milieu du championnat. Ouais. Moi, je connais un gars. Ah. Il y a une télé dans chaque pièce. Et il en a même une dans ses toilettes. Hé, Roger, faut dire qu'il y a des programmes chiants. Oh. Dans les toilettes. Après, faut pas s'étonner qu'on pisse dessus. T'inquiète, il est pas allé bien loin, ton chien.
Il est en règle au moins ce Kleps. Pourquoi? T'as peur de la reconduite à la frontière? Fais penser à Umberto D. Film magnifique. Quand je l'ai vu la première fois tout gosse, j'étais tétanisé par le sang du chien. Alors que c'est quand même un pamphlet sur la misère humaine. Tiens, il est parti. Ben c'est qui ce fantôme? Monsieur Laurent, on vous attendait. S'il vous plaît, venez avec moi. Suivez-moi. Voilà, installez-vous ici. Très bien. Très bien, fin de séance. Merci beaucoup, monsieur Laurent, vous avez été parfait. Il a le droit à l'asile politique. D'ailleurs, préparez-vous pour le cours suivant, s'il vous plaît.
prends un café avec moi? Ça va, et toi? Ça a été le travail? Eh oui, je vais te rembourser, mon petit Jojo. Attends. Mais merde. Oui, c'est vrai. Tu sais pas ce qui m'est arrivé ce matin. Je faisais une pointe à 200 avec la Suzuki Bandit 600 de mon cousin. Un petit bijou, hein, d'ailleurs. Bref, là, je vois une fille en rade sur le bord de la route. Alors moi, je lui propose de l'aider, tu vois. Bah, tu me croiras si tu veux. C'est Vanessa Paradis. Bon, arrête! Mais je te jure! Oh, bah, elle est chez ses parents, tu sais bien, ils tiennent un bar à côté de la Ferté. Enfin, bref. Alors, donc, là, je lui propose de la déposer chez elle, quoi, tu vois, sympa. Eh ben. Elle a tellement flippé qu'elle m'a gerbé dessus, quoi! Putain, elle savait plus se foutre. Et mon fric dans tout ça? Mmh. Ah, justement! C'était dans mon 501 tout neuf. Je suis passé chez moi me changer et j'ai oublié dans les poches, quoi, classique. Ouais. Tu sais que Vanessa, elle a voulu me rembourser et tout. Hein. Même Johnny a voulu me donner son fut. Ah ouais. Et ben moi, dans tout ça, j'ai refusé. Ah, je suis comme ça, moi. Ah, si. Ça a pas l'air d'aller mieux. T'as pas retrouvé ton chien? Ta télé est toujours cassée? Tu sais pas, il est modèle. Je t'ai vu à l'atelier. Tu peins peut-être? On l'avait jamais vu, voilà qu'il est partout. Mmh. Mmh. Moi, je peins. Je travaille à la boulangerie. Je peins. À la boulangerie. Et tu peins. Tu fais toujours des croûtes, quoi. Oui, certaines sont mangeables, d'autres sont carrément indigestes. Hey, Philippe. Ça te rappelle pas l'infâme du boulanger? Bien vu, pomponnette. Salope. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va pas, non? Eh les gars, c'est pourquoi qu'il fait ça? Pour être plus français? Il peut faire mon pain. Il peut peindre comme Picasso, tiens. Il peut même picoler, supporter le PSG, parier au PMU. C'est parler français qu'il faut. Eh ouais. C'est pas parler. Hein, coco? Commis. Laisse-les dire, commis. Attends, qu'est-ce qu'il a? Il est parti? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des jours que t'es vraiment con. Oh, c'était pas trop vache. Oui, pas fort. Attends, t'as ri, hein. Oui. Ouais, d'accord. Bah oui. Ah, putain. J'ai soif. Ah, monsieur Laurent, vous voilà enfin. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, séance de nu.
Vous avez vos papiers ? Moshi Moshi. Komi. Kasan genki. Kochi wa aikawarazu kore ijou waruku nari you ga nai yo. Ashita okune okane o okuru te tutaeta katanda. Minna ga yūfuku na hakujin no kuni ni sumete omae wa tsuite ru ne. Chanto tabete ru no kai? Kane moshi mo iru kedo bienbou na itotashi mo iru yo. Asushi hito mo iru no? 前に覚えただろう、ただしょと。大変じゃないかい？友達はいるの？ああ、ああ。助けてくれる友達はカトさん。いろよ。いるだっているんだ。犬？いい？そう。仕事が。あるから、もう行かないと。天のご加護がありますように。ああ、ああ。みんなによろしく伝えて。Attends, quand tu dis nu, c'est entièrement nu ? Comme je te dis, c'est ça l'art. Tout à l'heure ? Moins le quart. Moins le quart ? Bah, je dois y aller. Allez, je vous laisse. Ciao les gars. Ciao. Salut Marcel. Salut Marcel. Eh les gars, vous connaissez pas la dernière ? Le mec là, le black, salut Phil. Le fantôme, salut, Phil. Il se cache tout le temps, on se demande bien pourquoi. Ouais. Bah c'est un exhibitionniste. Non. Bah je déconne pas, il se met devant les gens et pff, si tu vois ce que je veux dire. T'accuses sans preuve, il est modèle. Ouais bah un beau modèle de perversion, ouais. Je te crois pas. Bah c'est Marcel qui me l'a dit. Il l'a vu de ses yeux vus, tu peux en être sûr. Marcel ? Alors ça doit être vrai. Je me disais, c'est bizarre cette capuche. C'est vrai ça, il est pas très net. Et en plus il consomme jamais rien. Ça moi je dis qu'on bégaye, hein. C'est qu'il y a un truc qui passe pas, moi. Ah, c'est clair. Où ça ? Où il fait ça ? Je sais pas, moi. Partout. À la gare. À la gare. À la poste. Eh, hey, il fait même ça à la boulangerie. À la boulangerie. Bonjour, Comi. Non mais t'es complètement folle! Si seulement il le faisait qu'avec les adultes. Il le fait aussi devant les écoles. J'y crois pas, moi. Je vais me renseigner quand même. Mais j'y crois pas. Là, s'il vous plaît. Allons-y.
Ma femme veut que vous exposiez. Formidable. Formidable. Magnifique. 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 Oui. Où est l'artiste? Voilà. Commis? Madame, auriez-vous vu Commis? Non. Non. Monsieur, auriez-vous vu Commis? L'artiste? Non, pas encore. Mademoiselle, auriez-vous vu Commis? Non, désolée. Non. Commis? Thank you.